Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir avec vous, Isabelle Alonso, Annie Lemoine, Pierre Bénichoux, Stevie Boulet, Maureen Dor et Jean-Bernard Hébert. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois déjà que ça commence par des messes basses de ce côté-ci entre Maureen et Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez dit Maureen Dor, j'ai dit qu'elle est jolie, Maureen Dor. Ah oui? Voilà. Ah, c'est vrai? C'est gentil, hein? Comme après, il va me tacler pendant toute l'émission, je prends. C'est un petit couple qui marche, ça, quand même. Non, c'est pas un petit couple, c'est une vieille liaison. Non, non, pas du tout. Non, j'aimerais bien. Non. C'est au contraire, c'est un vieux monsieur qui est sensible au charme de cette petite jeune fille. Vous parlez de vous en disant vieux monsieur? Là, mais c'est bon que vous tu êtes malade. Ah oui, bien sûr. Il est en pleine déprime en oui, ce moment. Oui, il y a un truc qui va pas. Il a besoin qu'on l'aime. Eh bien, on t'aime, Pierre, faut que tu le saches. On mais t'adore. Vraiment? Mais vraiment, vraiment. Physiquement? Tu vis, ça va depuis hier? Ah ben moi, très bien, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi. On est en démocratie, je peux dire ce que je pense quand même. Voilà, sur le CPE, pour en revenir juste pour dire deux mots, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement, mais n'attaquons pas avant d'avoir essayé. C'est tout. Il remet ça, dites oui. Donc. Oh là là. J'ai appris, il s'est fait agresser, on m'a dit. J'ai pas vu, mais il paraît qu'il s'est fait agresser. Oui, par un mec, un comédien. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de Dominique de Villepin dans VSD. Regardez, encore en train d'effectuer son jogging matinal. Ça n'arrête pas. On ne sait pas s'il finira à l'Elysée en 2007, mais comme mannequin chez Decathlon, il a ses chances. Alors, regardez la une du journal 20 minutes. Villepin casse-cou ce matin. Rappelons que 20 minutes est un journal gratuit de petit format. C'est pour ça qu'il n'avait pas la place d'écrire le mot en entier. Isabelle? Ça m'évoque aussi le titre du journal, c'est 20 minutes et c'est marqué Premier ministre. Il en a plus pour très longtemps, il a encore pour 20 bonnes minutes à être Premier ministre. Plus inquiétant pour le Premier ministre, la une du Parisien ce matin, cet avertissement. Sarkozy prêt à lâcher Villepin. C'est vrai qu'avec cette affaire de CPE, le petit jeu du moment, c'est de se demander lequel des deux, Sarkozy ou Villepin, démissionnera le premier. Le Premier ministre ne veut en tout cas pas retirer son contrat première embauche, il en fait une affaire d'honneur. En fait, c'est un intuitif, monsieur de Villepin. Il pense que le CPE, c'est comme pour la dissolution à l'époque, ça va marcher. Annie Lemoine. Je crois qu'il est temps de se pencher sur le contrat de M. de Villepin. Comment est-ce qu'on peut s'en séparer? C'est un CDD. Hein. Non, mais Jean-Bernard. C'est terrible parce que cet homme n'a jamais été élu, il n'a jamais été au contact du peuple. On lui a donné le plus grand parti de France, on lui a donné le premier rôle et aujourd'hui on voit qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Peut-être qu'il avait raison sur le fond, en tout cas dans la forme, il a entièrement tort. En fait, quand il s'est rendu sur l'île de la Réunion il y a quelques semaines, ce n'est pas la chikungunya qu'il a chopé, c'est le virus de l'homme buté. Autre photo, celle parue le week-end dernier à l'occasion du Salon du Livre. Regardez le ministre de la Culture, M. Renaud Donodio de Vabre. Et à côté de lui, on nous dit que c'est M. Abou Diouf, le secrétaire général de la francophonie. Moi, je crois pas. Il me semble que c'est Villepin qui est obligé de se maquiller en black pour sortir incognito maintenant. C'est vrai. On passe au député béarnais, M. Jean Lassalle, qui, pour protester contre la délocalisation d'une usine de sa région, en est aujourd'hui à son 15e jour de jeûne. C'est la méthode Villepin, en fait. Oui, Villepin, lui, en est à 3 semaines de jeûne dans la rue et il ne veut pas céder non plus. Pierre? Quoi qu'on pense du bien fondé de la lutte de ce monsieur Lassalle, c'est un peu ridicule tout ça. Parce que, quand même, quand on fait une grève de la faim, c'est qu'on ne connaît personne et qu'on veut attirer l'attention de son député. Quand on est député... Je ne suis pas d'accord avec toi, il veut attirer l'attention des médias, et les médias s'intéressent toujours aux mêmes et pas aux petits députés locaux. Quoi. C'est quand même courageux de faire une grève de la faim. Stevie, qu'est-ce qui va se passer le jour où, finalement, il va se mettre à se nourrir à nouveau? Qu'est-ce qu'on va dire? La salle jeûne. Il va aller à la salle. Non, on va dire la salle à manger. Maureen. Moi, à la fois, c'est peut-être un peu inutile ce qu'il fait, et à la fois, c'est pas du tout inutile parce que je pense que ça redonne ses lettres de noblesse à l'action politique. Il faut quand même le faire 15 jours sans manger. D'ailleurs, au gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est M. Gérard Larcher, qui est au cœur de la tourmente anti-CPE. Lui n'envisage aucun sacrifice de ce genre.
Allez, passons au côté socialiste, où les femmes tentent d'obtenir la parité pour 2007. Alors, regardez, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans le Figaro ce matin. Moi, j'ouvre le Figaro vers 6h du matin, et c'est la première édition du journal qu'on reçoit tôt le matin. Et regardez, le titre, c'est « Les femmes du Parti Socialiste en colère ». Et regardez la photo à côté, elles sont toutes souriantes, elles n'ont pas l'air d'être en colère du tout. J'arrive ici un peu plus tard dans la journée au Moulin Rouge, j'ouvre le Figaro, et pof, qu'est-ce que je vois ? Les socialistes s'imposent, la parité pour 2007. Le titre a changé. Ils n'ont pas changé la photo, parce que la photo ne correspondait pas. Mais ils se sont dit, plutôt que de changer la photo, changeons le titre. Parce que c'est une photo trop importante, elle date quand même de 2001. Isabelle. Moi, je trouve le sujet assez rigolo, puisque les hommes du PS viennent de découvrir que pour mettre plus de femmes, il fallait mettre moins d'hommes. Et ça, ils n'avaient pas percuté depuis le début. Là, d'un seul coup, ils se disent « Ah merde, et nous alors ?» Allez, une autre nouvelle du jour, la hausse du prix du gaz. 5,8% en plus à partir du 1er avril prochain. C'est quand même dramatique, l'augmentation. Ça tombe sur les gens qui n'ont pas les moyens de payer les factures. C'est beaucoup, 20% d'augmentation du gaz. Et pourquoi ? Derrière tout ça, il y a des grandes manœuvres financières. Moi, je ne suis pas loin de penser comme la CGT. C'est les délices de la privatisation. Effectivement, GDF, 80% entreprises d'État. Et on est en train de renforcer l'action parce qu'il y a la fusion Suez. Donc voilà, et qui paye la note ? Les petits. Jean-Bernard Hébé. Si nous n'avions pas, il y a fort longtemps, basé toute notre énergie sur une énergie que nous ne possédions pas et que nous achetions, nous sommes aujourd'hui les otages de pays qui fabriquent du gaz, et notamment des Russes. Faut pas l'oublier, avec Gazprom. D'où le petit truc qu'on voit parfois sur les immeubles, gaz à tous les otages. Exactement. En France, il nous manque deux choses, le gaz et le pétrole. Avec ça, tout irait bien, mais malheureusement. Mais si vous voyez avec bien vous, on a l'énergie du désespoir. Ouais, ça pouvait être... Allez, une autre photo qui illustre la vidéo qui débarque dans le tennis. L'arbitrage vidéo va en effet être expérimenté à partir d'aujourd'hui au tournoi de Miami. Et les tennismen, ou les tenniswomen, puisqu'Amélie Mauresmo sera notre représentante là-bas, auront deux fois par manche le droit de contester, de demander à l'arbitre la vérification sur vidéo pour voir si la balle est sur la ligne ou pas. Vous savez, le célèbre faute. Pour les joueurs français qui sont finalement meilleurs en PlayStation que sur un court, ça risque de nous avantager. Merci. Je ne comprends pas pourquoi on s'ennuie à faire un truc comme ça avec une vidéo, alors qu'on sait très bien aujourd'hui faire des sensors sur les bandes, et si la balle tape sur la bande, ça sonne. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas ça. Ça marcherait beaucoup mieux. On l'a fait, mais ça ne marche pas. Ah bon ? Mais non, mais t'as pas compris, puisque quand on joue au tennis et que la balle est sur la ligne, le jeu continue. Donc tu penses bien que si elle est sur la ligne et que ça fait mip, Tibi, il doit taper sur sa balle, je vais être perturbé. Tu comprends ? Donc, réfléchis. Arrêtez le tennis, ça sert à rien. On termine par une photo. Une photo de Bernard-Henri Lévy. Ça y est, regardez, il a trouvé sa nouvelle tenue pour aller au Salon du Livre l'année prochaine. À l'approche de la 18e Coupe du Monde de football, vient de s'ouvrir tout proche du stade olympique de Berlin, où auront lieu les matchs, Artemis, hélas. Artemis est un établissement dont l'ouverture effectivement suscite une vive polémique partout en Europe, puisqu'Artemis n'est autre que la plus grande maison close de la communauté européenne. Plus d'une centaine de prostituées y exerceront en permanence pour satisfaire l'écart des supporters qui vont débarquer dès le début de la compétition prochaine au mois de juin. Une pétition « Acheter du sexe n'est pas un sport » circule actuellement sur Internet pour dénoncer l'ouverture de ce bordel géant, on peut appeler ça comme ça. Et pour parler de ce sujet, on va accueillir une journaliste spécialiste des droits des femmes et de l'égalité des sexes, auteur de « Les clients de la prostitution » aux presses de la Renaissance. Voici Claudine Le Gardinier. Bonjour. Alors, quand sport et politique s'entremêlent, voilà, ça donne effectivement cette polémique autour de la prostitution en Allemagne pendant la Coupe du Monde. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, on va dire que c'est quand même pas le premier pays qui organise la Coupe du Monde où il y a de la prostitution. Sauf que là, on a ouvert carrément un centre, bon, pas le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, mais quelques mois auparavant, c'est ça la petite différence. Oui, puis une grosse différence aussi, c'est que pour la première fois, on en parle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ça se déroulait dans la plus grande opacité, le plus grand secret. C'était la tradition. Il était de tradition, c'est bien connu, que les sportifs, les supporters, pourquoi pas les joueurs eux-mêmes, aillent terminer la fête et tout cet esprit de convivialité et de sport au bordel,
ou au moins auprès des prostituées. Ce qui est nouveau là-dedans, puisque rien n'est nouveau, c'est qu'on en parle tout simplement. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a quand même des gens que ça émeut. Et s'il y a des gens que ça émeut, c'est aussi parce que c'est l'Europe, c'est-à-dire c'est l'Europe qu'on est en train de nous construire. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, que cette pétition ait été lancée, qu'elle ait déjà recueilli alors qu'il est 20 et quelques mille signatures, et qu'elle montre qu'il y a quand même un petit émoi autour du fait qu'on commercialise le corps des femmes, alors là, à échelle industrielle. Là, on parle d'un temple, hein, carrément érotique, 4 étages, 3000 mètres carrés, 100 prostituées, 6 fois plus de clients que d'habitude. Maureen ? Mais moi je voudrais savoir, j'ai lu un article où une prostituée disait, moi, je préfère être dans un endroit où au moins je sais où je peux me laver, où je peux prendre une douche, où je sais que le... Moi, c'est ce que j'ai lu. Je ne dis pas que... Il y a des femmes qui pensent ça. Est-ce qu'elles pensent faux ? Alors, est-ce que... Voilà, je ne vois pas de quel droit on irait dire qu'elles pensent faux. Il se trouve que moi, j'ai interviewé beaucoup de prostituées depuis fort longtemps, j'ose pas dire, depuis une vingtaine d'années, et que très franchement, la majorité redoute comme la peste le bordel. Quel que soit, c'est beau dehors, tellement moderne, tellement clean, tellement aseptisé, tout ça, est-ce que c'est le fan ? N'empêche que ça, c'est aussi le patron, la rentabilité à tout craint, et ça, elles le craignent, d'être corvéable à merci pour le manager du sexe, comme on dit aujourd'hui en termes libéral pur et dur. Beaucoup préfèrent encore la pseudo-liberté entre quatre paires de guillemets du trottoir. Annie Lemoine. Dramatique, c'est le seul mot, c'est terrifiant. Vous parlez de l'Europe, mais l'Europe, elle n'existe pas, puisque en Allemagne, être prostituée, c'est faire un métier comme un autre. Alors, en France, on n'est pas là, donc il faudrait harmoniser tout ça. L'Allemagne est maintenant dirigée par une femme, j'espère qu'il va se passer quelque chose. On parle de 40 000 prostituées qui franchiraient la frontière à l'occasion de la Coupe du Monde de football. C'est absolument insupportable, intolérable. C'est terrifiant. Je ne sais pas quelle est la solution, mais il faut s'indigner. On n'a pas le droit de laisser ces quarts de supporters rentrer dans les bordels. Moi, j'écoute ça, et encore une fois, on n'est peut-être que d'accord. On est contre la violence subie par les femmes, on est contre cette commercialisation, on est contre que l'État prenne des mines, Angélique, et touche de l'argent là-dessus. On est contre tout ça. Cela dit, le fait de vendre son corps, c'est vieux comme le monde. Ah. Ça a toujours existé. C'est de la preuve aussi du primat de la femme que l'homme... Alors, l'homme est prêt à payer pour avoir une femme. Mais là, la femme n'est pas payée pour avoir un homme. Ce sur quoi il faut être impitoyable, c'est évidemment l'organisation de la prostitution. Les maisons closes qui sont des choses absolument atroces, donc il faut être contre. Mais je crois que si on veut se battre, justement, contre les proxénètes ignobles, il ne faut pas dire le problème de la prostitution, parce que c'est un problème philosophique, insoluble, très énorme. En revanche, pas insoluble il faut, si on essaye de le... Il faut, mais on si diminuera on énormément en luttant contre les macros, en luttant contre les bordeliers, contre l'État proxénète. Déjà, voilà. D'emblée, vous avez parlé de plus vieux métier du monde. Ce qui me gêne, moi, c'est que quand on parle de plus vieux métier du monde, on renvoie ça aux prostituées. Je n'ai pas dit le plus vieux métier du monde. Hein. Jamais vous dit. Vous n'avez pas dit. Cette bêtise-là, non, je dis c'est un métier qui existe depuis longtemps. L'idée, en tout cas, est celle qui est dans les esprits. Les femmes, en gros, elles ont un peu ça dans la peau. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas y faire grand-chose. En plus, cette expression veut dire on ne peut rien y faire, ça a toujours été là, ça continuera, n'y touchons pas. Donc, vous parlez, à juste titre, et vous avez raison, de tous les exploiteurs, de tous les proxénètes, de les détenanciers, des trafiquants, tout ce qu'on veut. Mais les clients, pour l'instant, on n'en avait jamais parlé. Qu'est-ce qu'ils achètent, les clients, avec leurs billets ? Ils achètent le droit d'être totalement irresponsables. C'est quand même formidable, aujourd'hui, de n'avoir aucune responsabilité. Elle peut être victime de la traite, elle peut être victime de son proxo de proximité parce que c'est une femme bien de chez nous. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'elles sont bien françaises, bien de chez nous, qu'elles n'ont pas un proxo qui souvent est le mari, le compagnon, qui les manipule, qui fait du chantage à l'enfant et qui les envoie au trottoir. Moi, je trouve pas ça formidablement mieux que la traite venant des pays de l'Est. C'est une question de degré. Jean-Bernard. Bon, alors il faut évidemment commencer par le préambule. Je suis contre, ce n'est pas bien. L'industrialisation du sexe est une chose. Quand j'ai lu... Tu es déjà allé voir des prostituées ? Évidemment que je suis déjà allé voir des prostituées. Voilà, toi, une question non. Intéressante. Toi, non. Mais moi, oui. Ben, et oui. Et oui, les femmes, non, mais les oui, hommes, oui. Les femmes, non, et les hommes, ah, oui. Non, et justement, moi, mais pas tous les oui, hommes. Toi, non. Mais pas tous les hommes. Il y a une chose que vous dites sur laquelle je ne suis pas d'accord. C'est un fait scientifique. Vous dites, les clients, on nous dit qu'ils ne peuvent pas calmer leurs pulsions.
Eh bien, ça, c'est faux, madame. Il y a une chose qui s'appelle le testostérone, comme vous le savez, qui existe chez les hommes et qui font que, comme disent les gens de la Haute-Savoie, ça les mène. Bon, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que sous prétexte qu'ils sont forts, ils doivent taper des femmes ou ils doivent se les payer. Mais c'est un fait. Alors maintenant, maintenant qu'on a dit ça, donnez-moi deux mesures concrètes, applicables, immédiatement, qui mettront fin. Mais moi, je vous le dis très humblement, la solution dans l'heure qui vient, je ne l'ai pas. Je dis, c'est un travail de tellement longue haleine qu'on va commencer tout de suite à mettre en place des mesures. Mais je vous le dis en toute humilité, je ne peux pas vous les donner comme ça. En tout cas, je vais dire juste une chose, éducation, éducation, éducation. Isabelle Alonso. Je crois qu'il est important de dire d'abord pour commencer qu'il se passe des tas de choses en ce qui concerne la prostitution depuis une cinquantaine d'années. On est parti après la fin de la Deuxième Guerre mondiale à une époque où tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut lutter contre la prostitution. Et puis petit à petit, le camp des proxénètes gagne du terrain sans arrêt jusqu'à ce qu'on arrive à ça, qui est ni plus ni moins qu'une institutionnalisation du proxénétisme. C'est d'abord un énorme business. Les trois business qui rapportent le plus de pognon sur la planète aujourd'hui, c'est le trafic de drogue, le trafic d'armes et la prostitution. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on a obtenu l'abrogation du servage. Il y a deux siècles de ça. On a obtenu l'abrogation de l'esclavage, à une époque où les gens pensaient qu'on ne pouvait pas vivre sans. On a obtenu plus récemment l'abrogation de l'apartheid. Et ça, ça fait avancer l'humanité. La prochaine abrogation que nous obtiendrons, parce qu'autrement on retourne à la barbarie, c'est l'abrogation de la prostitution, qui est un système d'exploitation des plus faibles et des plus pauvres, plus vulnérables, par les plus forts et par des criminels partout sur la planète aujourd'hui. Maureen. Les plus vulnérables. Maureen. Vous avez raison, vous dites que c'est tout le business des proxénètes, mais moi j'ai l'impression que les femmes, Madame Lambda, Madame X comme moi, etc., elles ne vont pas être totalement contre la prostitution parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, moi inconsciemment je me dis que tant qu'il y aura des prostituées, il y aura des femmes, je serai protégée moi. Je ne vous dis pas que c'est intelligent, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Ça m'intéresse que vous disiez ça. Alors en effet, on a un certain nombre de croyances. Vous savez que la prostitution, elle est justifiée surtout à cause de représentations et de croyances. Les deux croyances essentielles sont les besoins sexuels irrépressibles des hommes, ou du moins de certains hommes qui ne peuvent pas se retenir, il leur faut un exutoire tout de suite. Deuxième croyance, si jamais il n'y a pas de prostitution, il va y avoir des viols. Mais d'où sort-on cette idée? C'est le contraire. Mais c'est le contraire. Ah bon, Plus on dit à des hommes, allez-y, servez-vous, c'est ce qu'on leur dit. Exactement. Là, on leur dit, allez-y, c'est normal, c'est banal, c'est de la sexualité récréative. En gros, mettez-y le prix, mais si vous n'avez pas tout à fait l'argent, la monnaie, eh bien tant pis, prenez, de toute façon, c'est à vous. Vous pouvez vous l'approprier. Moi, il me semble que le message qui passe là-dedans, c'est surtout un message du servez-vous sur le corps de l'autre. Revenons, si vous le voulez bien, à l'actualité et à cette Coupe du Monde à partir du mois de juin en Allemagne, puisqu'on est parti de cette pétition qui a été lancée, acheter du sexe n'est pas un sport. C'est une pétition qui circule sur Internet. Qu'on peut signer sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement ou à la fédération qui vous soutient là-dessus? Est-ce qu'il y a un ministre? Écoutez, est-ce que la Fédération française de football? Est-ce que la FIFA, la Fédération Monsieur Jean-François Lamour, aussi joli nom, a dit être très choqué par cette organisation de la prostitution en Allemagne. Pour l'instant, on en est là. Quant aux fédérations sportives, rien. Mutisme total. Je vais vous demander de rejoindre Maureen Dor, puisque quand il y a des solutions à trouver, ici on a une ministre que le gouvernement nous envoie pour tenter d'obtenir des réponses. C'est la ministre des Affaires problématiques, Madame Dominique Pipeau, désormais célèbre dans notre émission. Madame la ministre. Merci une fois de plus d'avoir accepté de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés lors du débat que nous venons de vivre sur ce plateau. Merci, bonsoir Madame la ministre. Bonsoir, Monsieur Rouquier. Alors permettez-moi, comme d'habitude, bien sûr, de vous remercier de m'avoir invité dans votre excellente émission de divertissement d'Access Prime Time. Et d'ailleurs, plus généralement, merci de m'inviter si régulièrement, si spontanément, à chaque fois que je vous y oblige. Bien. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Heureuse d'avoir l'occasion, vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur cet épineux problème de la Constitution. Non, de la prostitution. La prostitution. Merci, Monsieur Rouquier, je sais de quoi je parle. Tâchez de ne pas m'interrompre. Viens.
Alors oui, la prostitution, alors bien évidemment je suis contre à 100%. Tant mieux. Je trouve ça proprement scandaleux et d'ailleurs je m'indigne. Ah. Voilà. Voilà, je me suis indignée. On peut poursuivre. Alors, vous savez que la prostitution est légale en Allemagne. Absolument. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver un jour en France? Paradoxalement, oui. Je vais vous dire, moi, je suis favorable à la légalisation de la prostitution dès lors qu'elle n'est pas payante et qu'elle s'exerce entre époux. Voilà, vous voyez que je ne suis pas réfractaire à la liberté individuelle. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? M'éclaircir un peu la voix. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour limiter les dégâts lors de la prochaine Coupe du Monde? Écoutez, je pense d'abord qu'il me paraît nécessaire, voire vital, de sélectionner Franck Ribéry et de jouer en 4-4-2, hein, avec Henri et Trezeguet devant, en pointe, ça me paraît important, voilà. Non mais là, je vous parlais au sujet de l'importation de prostituées, pas du tout au niveau des résultats de l'équipe de France. Ah oui, d'accord. L'importation de prostituées. Oui. À Berlin. Oui. Pour la Coupe du Monde. Oui. Très mauvaise idée, elle joue très mal. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais attendez. Alors là, autant mettre Maureen Dor dans les cages et puis Miss France. Non, je vous parle de l'ouverture. Non. On a vu la photo tout à l'heure. Ah. L'ouverture de cette plus grande maison close d'Europe. Ah oui. Ah, c'est ignoble. Je me réindigne. Ah. Voilà. Cette espèce d'immense fast-food du sexe, là, où les gens pourront venir commander des menus gros macro, hein, des menus Big Mac. Big Mac, comprenez? Oui, bien sûr. Avec une grande pipe et un fantasme orange. Ah, bravo. C'est ignoble. Non, franchement, c'est ignoble. Moi, je pense qu'il faut commencer par éduquer, en effet, les supporters. Hein, rappelons-leur leur alphabet. Apprenons-leur à distinguer le B et le P. La règle du jeu au football, c'est quand même de mettre des buts et non pas de mettre des biens. Alors, non, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui consiste à rappeler aux supporters les règles de bonne conduite? Je vois qu'on vous a donné les questions, comme d'habitude. Non, avec les prostituées, notamment, être poli et respectueux. Oh, alors ça ne sert à rien. Oui. C'est hypocrite. Oui. Être poli et respectueux, alors. Bravo. Hein? Alors, ils vont dire quoi? Good morning, ladies. Would you please suck my dick? Oh, oui. Oh, c'est intéressant. Pensez-vous que le monde du sport doit réagir? Oui, je crois que le monde du sport doit en effet prendre position. Hein? Ne comptons pas, en effet, sur la police et les hommes politiques pour le faire, étant eux-mêmes des clients réguliers. Je crois, en effet, que la fédération de football doit se prononcer. Hein? Parce que FIFA continue, ça va barder. Non, c'est vrai. Faut que les joueurs s'expriment. Au moins, Jean-Pierre Tapin, c'est un minimum. Allez, sur ce, je vous laisse, bonsoir. Madame la ministre des Affaires problématiques, merci. Alias Florence Foresti. Un livre sur la prostitution de l'autre côté de la lorgnette, si j'ose dire, les clients de la prostitution plus que les prostituées. C'est le livre signé Claudine Le Gardinier et Saïd Bouamama. C'est chez Presse de la Renaissance. On vous remercie, madame Claudine Le Gardinier. Nous allons maintenant accueillir le journaliste et directeur de l'hebdomadaire Le Point, M. Franz-Olivier Gisbert. Le 10 mars dernier, il a sorti « La tragédie du président, scène de la vie politique 1986-2006 », c'est chez Flammarion. C'est un ouvrage truffé de confidences et d'interviews inédites dans lesquelles il brosse un portrait à la fois chaleureux mais surtout impitoyable de Jacques Chirac. Pendant 15 ans, Franz-Olivier Gisbert a consigné sur des cahiers à spirale la plupart de ses conversations avec le président de la République. Il en a tiré ce livre dont on parle beaucoup, La tragédie du président, un livre qui va passer là en tête des meilleures ventes du moment. C'est déjà un best-seller. Voici Franz-Olivier Gisbert. Un énorme succès de librairie, ça veut dire que les Français, alors, ou ils s'intéressent à vous, ou ils s'intéressent au président de la République, toujours. Je crois qu'ils s'intéressent aussi à la politique. Hein. Ah, c'est ça. Parce que c'est un livre sur la politique, c'est pas seulement un livre sur Chirac. Mais pourtant, il est partant, le président. Ah oui, mais d'abord, on regarde les années qui passent, on essaie de comprendre pourquoi il y a des tas de choses qui n'ont pas marché, et puis on s'amuse aussi, parce que c'est vrai que ça s'appelle la tragédie du président, puis c'est aussi, ça pourrait s'appeler la comédie du pouvoir. Enfin, le titre était déjà pris. Bon, parfois, on vous sent de la sympathie pour l'homme, ouais. mais plus souvent, quand même, on se dit « Oh là, quel vachard, alors, avec le président !» Est-ce que vous avez revu le président depuis ce bouquin? Non, je l'ai vu quelques jours avant la parution, enfin, trois vous semaines. Ah, vous êtes malin, hein, juste avant, alors. Trois semaines. Mais je pense que je ne verrai pas avant un certain temps. Mais ça, c'est normal, quand vous écrivez ce type de livre, de toute façon, les hommes politiques sont toujours fâchés. Pierre? Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, de tous les livres que vous avez écrits,
il n'y en a jamais eu un où vraiment vous rompiez les amarres, vous brisiez tout. C'est la terre brûlée, ce livre. Vous dites tout ce qu'on vous a dit. Vous portez, non seulement vous répétez toutes les confidences qu'on vous a faites, mais en plus vous portez des jugements assassins. C'est un livre terrible. On reproche toujours aux journalistes politiques d'être un peu traîtres avec le public en étant trop amis des hommes politiques. Là, vous avez bien répondu, mais vous êtes quand même très traître vis-à-vis des hommes politiques qui vous ont fait confiance. Non, je ne me sens pas traître du tout parce que moi, je n'ai jamais caché mon jeu. Je suis journaliste. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai accumulé des choses dont je me suis servi, évidemment, tout au long de mon travail. Mais ce qui est vrai, c'est que, à bout d'un certain laps de temps, ces hommes politiques que je répète, je n'ai pas le sentiment de trahir, parce qu'après tout, ils savent mon boulot. Puis ils me voient prendre des notes, souvent. Enfin, pas toujours, parce que c'est vrai que dans un déjeuner, si vous avez la chance de déjeuner avec le président de la République, il commence à vous balancer des choses, et brusquement, comme un con, vous sortez votre carnet, bon, vous voyez brusquement qu'il s'arrête. Donc vous remettez le carnet, et puis vous écoutez la suite. Et là, à ce moment-là, vous prenez les notes en sortant du déjeuner. Annie Lemoine. Moi, je dis bravo, parce que c'est un livre qui est bourré d'infos. Après, on peut critiquer ce qu'on met les on et les off dans un livre. Il est bourré d'infos, il y a des moments savoureux. Par exemple, quand Chirac téléphone à Blair pour demander comme un service de ne pas recevoir Sarkozy, pour ne pas faire de la pub à Sarkozy. Il y a plein de petits, comme ça, plein de petites infos qui sont distillées dans tout le livre. On se régale, c'est vrai. C'est un livre méchant, ça c'est sûr. Mais comme vous dites, Chirac, quand il est très attaqué, il a une formule, ce n'est que de la pluie, ça finira par glisser. C'est peut-être ce qu'il se dira aussi après avoir lu votre livre. C'est ce qu'il est en train de se dire en regardant l'émission. J'en sais rien. Moi, je vais vous dire, le truc qui m'a le plus intéressé, c'est ça pour moi, le mystère Chirac. Vous dites, il y a un mystère dans la sphère du privé, dans la famille. Il s'est passé quelque chose. Et peut-être que c'est là que ça vous touche. Parce qu'il y a, vous avez un secret aussi qui a été libéré, que vous avez dit. Vous dites, et vous citez Giscard d'ailleurs, cet homme-là est tellement mal dans sa peau qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Vous allez sur ce terrain-là. J'ai toujours eu cette conviction, cette intuition. C'est un homme qui a toujours été fermé. Tous ceux qui le connaissent savent que, par exemple, dès qu'on essaie d'aborder le problème du passé, de sa vie, de son enfance, bon, il radote toujours les mêmes trucs, donc il se cache. Et puis d'ailleurs, regardez aujourd'hui, la fin de règne, il est totalement emmuré, avec à l'intérieur, il y a Claude, et puis il y a Dominique de Villepin qui l'a pris en otage, quoi. C'est ça aujourd'hui. Et Bernadette peut-être un peu quand même. Bernadette, elle est un peu à côté. Ah. Elle est très présente, elle est très importante. D'ailleurs, on le voit, hein, je ne suis pas sûr qu'il aime la voir tout le temps. Ils ont fêté leur noce d'or, là. Voilà, il adore la voir au téléphone, il lui téléphone souvent. Et une chose géniale, c'est quand Gisbert dit que Bernadette Chirac dit en parlant de son mari et de sa fille, dont elle est jalouse, évidemment, à cause de sa proximité, elle dit « les Chirac ». Oui, ça, j'adore ça. C'est Bernadette qui dit « les Chirac ». Bah, elle, c'est une chaudron de Courcelles, c'est pas une Chirac, c'est ça. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est justement que Claude s'est installé à un moment donné et elle avait pris la place de la mère. Ah, vous dire que c'est le couple Chirac, c'est Claude et son père. C'était au début, en 1995, c'est Claude qui décidait à l'Élysée, comme si c'était Madame Chirac. Et peu à peu, Bernadette a fini par reprendre le dessus. Elle a un grand sens politique, elle est maligne. Isabelle Alonso. Alors la question que je me pose vis-à-vis de vous, c'est que vous avez une triple vie. Vous êtes à la fois un bon écrivain qui est reconnu comme un bon écrivain. Vous avez une émission de télévision qui est formidable. Et vous avez en plus cette espèce de carrière de langue de vipère qui fait de vous quelqu'un de très noir, de très obscur. Alors on est déjà ce sentiment quand on lit vos livres, mais est-ce que c'est vraiment votre vision de la vie, cette noirceur? Ce que vous dites est un peu dur parce que moi je ne me sens pas du tout comme une langue de vipère. J'ai toujours l'impression de vouloir rétablir les choses. Je crois que je dois ça. J'écris des livres pour le lecteur. Et si vous voulez, j'avance comme ça en écrivant exactement ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, aussi ce que je pense, quitte parfois à me fâcher avec des amis, parfois proches. Moi, Villepin, par exemple, c'est vrai que ce que j'écris sur le livre est épouvantable, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais des relations assez bonnes. Et il y a des gens dont je dis beaucoup de bien dans le livre, avec qui j'avais des relations assez mauvaises. Vous radicalisez quand même. Non, mais attendez. J'essaie d'être juste. Et si vous voulez, moi, je ne vois pas mon boulot comme un boulot de justicier. Je vois mon boulot comme... on a le droit de savoir. Et si vous voulez, je comprends très bien votre attitude. Mais ça, à ce moment-là, il faut lire Gala. Enfin, il y a des tas de journaux qui sont faits pour vous. Moi, je suis... Non, mais moi, je ne vois pas l'actualité en rose. Oui. Mais non. Moi, je lis pas Gala. Je ne vois pas l'actualité en rose. Mais je ne vois pas... Mais c'est un très bon journal, Gala. Je pense, ma conception du journalisme, c'est très bête à dire. Je suis désolé, on serait toujours comme Humphrey Bogart, vous voyez, avec l'impermanence. C'est de la vérité. La vérité, quoi qu'il en coûte. Alors c'est vrai, par exemple, quand je sors un livre comme ça, je vous assure, pendant 2-3 jours, je ne suis pas fier. C'est-à-dire, il y a un côté, et pas du tout parce que je ne suis pas fier de ce que j'écris, au contraire. Je trouve ça, c'est ma mission de journaliste telle que je la conçois. Jean-Bernard. Je suis absolument persuadé que c'est un livre d'utilité publique. Et en cela, vous êtes admirable. Je n'ai qu'un regret.
En tant que journaliste, si vous êtes directeur d'une rédaction, et ça vous est souvent arrivé, un journaliste qui fait de la rétention d'informations, on le vire. Quelqu'un qui sait quelque chose et qui ne l'écrit pas ou qui ne le dit pas, on le vire. Or, votre livre a la capacité, et on le voit aujourd'hui par la tragédie ou le tourment qu'il crée, la tourmente plutôt qu'il crée, si vous aviez, au fur et à mesure que vous connaissiez les choses, si vous les aviez sorties telles quelles et non pas de façon plus diluée dans les journaux que vous dirigiez, peut-être que cela aurait participé à la vie politique. Peut-être que vous auriez agi sur la vie politique. Et c'est dommage, je trouve, que ce livre sorte aujourd'hui où on ne tire plus sur une ambulance. Voilà. Alors, c'est une objection qui est tout à fait valable. À ceci près, il y a effectivement des règles, le off the record, comme on dit, c'est-à-dire on ne le dit pas, on ne le dit pas tout de suite, on le dira un jour. Mais moi, je n'ai pas l'impression, si vous voulez, d'avoir caché. Je me sens très, comment dire, oui, très en règle par rapport au métier. Sinon, je ne le ferai pas. Je veux dire, on ne peut pas être Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans la presse. Simplement, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'une information très forte, s'il y a vraiment le sceau du secret, bah, vous la gardez. Quelques jours, vous la sortez toujours. Alors évidemment, comme Duhamel, qui lui, a, hélas, avait écrit son bouquin avant de comprendre que Ségolène Royal était une présidentiable possible, même s'il dit le contraire aujourd'hui, vous, pas de bol, c'est vrai que c'est formidable, ce bouquin, on en raffole, mais on aurait aimé, mais vous allez nous le dire sur le plateau, savoir qu'est-ce qu'il pensait en ce moment, le président, en pleine embrouille du CPE. Est-ce que vous avez une idée de ça, vous ? Mon intuition, c'est qu'il est furieux. Bon. Mon intuition, c'est d'abord, n'oubliez pas que Villepin s'est nommé, c'est l'expression de Jean-Paul, une expression de Giscard, mais je pense qu'il s'est vraiment nommé, qu'aujourd'hui, Chirac réalise un peu sa méprise. En même temps, il doit être un peu admiratif parce que l'autre a du culot, enfin, en même temps, il s'enferme. Donc, je pense que là, on joue, c'est les jours vraiment très, très compliqués, parce que là, d'abord, il y a le rendez-vous du 28 mars qui peut tout changer. Oui, oui, ouais, bien sûr. Mais alors, non, mais les questions qu'il pose sont tellement compliquées, eh oui. C'est du marre de café. Mais c'est très compliqué. Et moi, je suis comme Pierre Benichou. Vous n'êtes pas Elisabeth Tessier, on a compris. Avec qui j'ai travaillé autrefois, et puis qui m'a tout appris d'ailleurs dans une autre vie, le sait. Moi, je suis un journaliste très besogneux. C'est-à-dire, vous voyez, je suis pas. En 70, pour la première fois, il est allé voir des hommes politiques avec son gros cartable et son air de paysan. Il a dit comme ça, il a dit on peut tout lui dire. Alors, mon petit, vous avez eu l'état de grâce. Cet état de grâce a duré pendant 30 ans. Et un beau jour, vous vous êtes dit eh bien, j'en ai marre. Qu'on me pardonne tout. Je passe de l'Observateur au Figaro, on me pardonne. Je passe du Figaro au Point, on me pardonne. Je dis du mal de Mitterrand, il me pardonne. Je dis du mal de Chirac, il me pardonne. Et tout d'un coup, vous avez dit, j'en ai marre d'être l'enfant gâté. Moi aussi, je suis méchant. Et vous avez fait ce bouquin pour vous griller. C'est un livre suicide. Oui, parce que vous savez bien que plus personne ne vous dira rien dans le microcosme. Ou alors, ce sont des fous qu'il faut enfermer. Non, non. Ça, Pierre, ce n'est pas tout à fait exact, parce que je ne veux pas balancer. Oui. Mais il y a des personnalités extrêmement importantes du système. Oui. Je veux dire, à gauche, bien entendu, c'est normal. Oui. Mais à droite aussi, et dans le gouvernement, qui m'ont téléphoné après ce livre. Donc, je n'ai pas le sentiment du tout d'être grillé. Pour donner envie aux téléspectateurs, peut-être, de lire votre livre, ceux qui ne l'ont pas déjà, on a pris avec Jean-Bernard quelques phrases qui sont dans le bouquin. Par exemple, un allumeur... Il n'a rien dans le pantalon. Est-ce que vous savez qui a dit ça? C'est le Chirac, évidemment. Non. C'est Sarkozy, Sarkozy de Villepin. C'est Villepin parlant de Sarkozy. Sarkozy, excellente réponse d'Annie Lemoine. Ce pauvre garçon n'est pas une lumière. Qui dit ça de qui? Baladur. C'est de pas Chirac. Juppé. Baladur à propos de quelqu'un. Moi je réponds pas, ce serait pas juste. Ah bah, mais c'est Baladur à propos de Villepin. Baladur à propos de Villepin. Non, mais si j'ai la réponse, c'est pas facile. On peut jouer tous. On en a une autre. Oui, il y en a une que je trouve absolument magnifique. On le dit très con et très gentil. Il est en réalité très intelligent et très marchand. C'est Chirac à propos de Chirac. Non, Sarkozy à propos de Chirac. Sarkozy à propos de Chirac. Bravo, Gagnez, Pierre. On va aller très vite parce que c'est la même chose dans le même sens pour la suivante. C'est terrible. C'est un vieillard carbonisé, Sarkozy parlant de Chirac. C'est énorme quand même. Il a vraiment dit ça? Celle-là, elle est plus difficile à trouver. Néron. Qui a dit ça de qui? Oui. Néron, c'est Madame Chirac à propos de Sarkozy. Oui. Non. Non, à propos de Villepin. À propos de Villepin. Elle l'appelle comme ça. Alors là, il y a une phrase intéressante. Regardez. Elle a envie qu'on la prenne, ça la démange dans ça, le bassin. Ça, c'est Villepin qui parle de la France. Villepin qui parle de la France. Bonne réponse, Maureen. Alors là, deux personnages hauts en couleur.
tu vois où tes conneries m'ont mené. C'est Chirac qui dit ça à Pasqua, ouais. le soir de la défaite de 88, c'est ça? Excellente réponse, bravo. Alors là, c'est une invective. Les connards. Ça, c'est Villepin qui parle de tout le monde. Il dit connard toutes les 5 minutes, oui, Villepin. Oui, il parle des députés, non? Ouais, Villepin qui parle des députés, bravo. De tout le monde, hein. Avec lui, on n'est toujours qu'un ennemi ou un esclave. Génial, cette phrase. Ça, c'est à propos de Chirac, mais qui le dit, je crois que c'est Ponce, non? Sarkozy. Sarkozy qui dit Sarkozy à propos du président. Mm-hmm. Bravo, vous savez mais ce qu'il y a dans votre livre. Celle-là, elle est trop facile. Allez-y. Il est fou, il est complètement fou. C'est moi à propos de Gisbert. Non. Non. Vous voulez le rappeler? Bah, attendez, ça, c'est Chirac à propos de Sarkozy. Chirac à propos de Sarkozy, parfait. Oui. Même la dernière, parce qu'elle est très trop. Elle est trop facile. Un type qui ne peut pas garder sa femme ne peut pas garder la France. Ah, alors ça, c'est de Villepin à propos de Sarkozy. Oui. De Villepin à propos de Sarkozy. Là, c'est assez dégueulasse, ça. Cette petite phrase, c'est au mot près, ou est-ce que vous les transformez un peu? C'est absolument au mot près. C'est ça, vraiment. D'ailleurs, regardez, Chirac. Chirac, tout le monde sait à peu près comment il parle, on l'a vu déjà dans les précédents. Mais Villepin, il prétend qu'il ne parle pas comme ça en privé. Donc il dit, mais il a tout inventé, il reprend les termes de ses conversations avec Mitterrand. D'abord, Mitterrand ne parlait pas comme ça, il ne parlait pas comme un Chartier. Mitterrand avait des termes. Et l'autre, il dit quand même couille à peu près toutes les deux phrases, Villepin. Et ce qui est beau, c'est d'ailleurs, il y a peut-être des problèmes psychanalytiques, ou je ne sais pas, il y a certainement un truc à étudier, mais il dit couille tout le temps. Non, mais il dit couille absolument tout le temps. Et là, il prétend qu'il ne dit pas couille. Je vois une réunion devant les députés, il leur a dit en arrivant, peut-être d'ailleurs qu'il avait lu mon bouquin, parce que je le comparais à Balladur, il dit, je ne suis pas Balladur, j'ai des couilles. Voilà. Et donc, il a dit ça il y a quelques jours. Donc, vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on parle. Mais ça a toujours été violent, le discours en politique. Parce que Balladur, il a des couilles qui remontent même jusque-là. La tragédie du président, c'est chez Flammarion. C'est le gros succès de librairie du moment. François-Olivier Gisbert, merci. Merci. Depuis le mois de septembre, au Théâtre de la Madeleine à Paris, se joue Love Letters, une pièce mondialement célèbre de A.R. Gurney, adaptée par Anne Tognetti et Claude Bénière, mise en scène par Sandrine Dumas. Sur scène, on retrouve celle qui a été la première à créer cette pièce, Love Letters, en France. C'était il y a quelques années, aux côtés de Bruno Kremer, Madame Anouk Aimée. Elle a également joué la pièce aux côtés de Jean-Louis Trintignant, son immortel partenaire d'un homme et une femme. Mais c'est désormais aux côtés de Philippe Noiret qu'elle brille sur la scène du Théâtre de la Madeleine depuis la rentrée théâtrale dernière. Pour parler ensemble de cette pièce Love Letters, accueillons l'inoubliable interprète de la Dolce Vita, de 8 et demi ou des Amants de Vérone. Voici Anouk Aimée. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. D'autant que le Théâtre de la Madeleine n'a pas besoin de promotion. Cette pièce triomphe depuis septembre dernier. Vous avez toujours autant de plaisir à aller au théâtre chaque soir? Oui, oui. J'ai toujours autant de plaisir. Quelquefois, je dis c'est un petit peu fatigant, mais ce serait pire si je n'y allais pas. Et vous retrouvez chaque soir Philippe Noiret. Est-ce que ça veut dire que quand on partage l'affiche avec quelqu'un comme ça, dans une telle pièce, parce que Love Letters, il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, que vous lisez une correspondance, l'un et l'autre des lettres, c'est l'histoire de non pas d'un couple, mais de l'enfance à voilà. La fin de leur vie. Ils lisent des lettres et à travers ça, on voit leur vie qui se... Pierre Bénichou, vous avez vu la pièce? Moi, Anouk Aimée, je vois tout ce qu'elle fait, parce que je la connais depuis longtemps, elle m'a toujours fasciné, mais je me demande si elle n'en a pas un peu assez d'avoir cette image de fascinée, elle fascine, elle fait rêver, tout ça. Est-ce que vous n'en avez pas un peu assez de ça? Vous ne voudriez pas qu'on dise « elle est rigolote, mais il n'y a pas beaucoup de fond hein ». On peut le dire aussi, la première partie était très agréable, la deuxième partie est moins agréable. Anouk Aimée a eu une telle enfance aussi bénie des dieux qu'on peut, je veux dire, elle a eu, qui l'ont porté sur les fonts baptismaux, je ne sais pas, Prévert, toute cette bande de Saint-Germain-des-Prés dont elle a été l'idole. Puis après ça, Fellini, tous les plus grands qui se sont battus pour aller avec elle, que maintenant, elle doit trouver quand même, à part Lelouch. Est-ce que vous ne trouvez pas maintenant que cette époque est un peu moins marrante quand même, non? C'est vrai que de temps en temps, Fellini, j'aimerais bien le re-rencontrer, hein.
il manque. Annie Lemoine. C'est un petit bijou. Un petit bijou. C'est d'abord une mécanique de précision. Les mots sont très très précis. C'est crescendo, c'est deux personnes qui se connaissent, qui échangent des lettres tout au long de leur vie. Il y a un attachement, il y a un engagement, il y a des vies séparées, mais il y a une passion. Et au moment où la passion est vécue, il y a un rythme qui est beaucoup plus rapide, il y a le feu de la passion qui est là, il y a tout. Il y a l'amour, celui qui n'est pas vécu, puis celui qui est vécu quand même, il y a le glissement de cette femme qui va sombrer, tout est là. C'est absolument admirable. Et vous avez une mise en scène épurée, qui est parfaite, une table sobre, juste une lumière et deux acteurs avec leur voix, avec tout ce qu'ils sont. Et vous, merci beaucoup, parce que vraiment, il y a une émotion dans la salle. C'est extraordinaire. Elle est là, entièrement là. Elle donne sa vie. Elle donne tout ce qu'elle est à Alexa, ce personnage. Merci. 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 Alors, question peut-être. On dit souvent, Anouk aimait Mystère. Vous l'avez cultivé ou il est... Non, je crois qu'il est en vous, complètement. Vous êtes comme ça. J'ai de la pudeur. C'est ça. Je crois que c'est tout. Mais je ne suis pas mystérieuse, j'adore rire, au contraire. Ma vie, vraiment, c'est rire. Isabelle Alonso. J'aime bien ce que vous êtes en train de dire, parce que figurez-vous, c'est une question qu'on se pose souvent. D'où vient ce statut particulier que vous avez au nombre de toutes les comédiennes? Et souvent, avec Isabelle Mergault, dans les soirées qu'on passe ensemble à discuter, on s'est dit, c'est sûr que c'est un autre genre. Voilà quelqu'un, mais on se dit, voilà quelqu'un qui est vraiment classe. Et alors, comment elle fait? On essayait d'analyser. Alors, on se disait, nous voulons creuser un peu les joues comme ça, et puis prendre l'air, regarder, parler en regardant en l'air. Et puis, alors, on a essayé avec Isabelle, mais ça ne marche pas terrible. J'ai bien fait de venir. Ça me remonte, là. Vous savez, je suis repartie pour 150 représentations. Qu'est-ce qu'il y a de clair? C'est vrai que pour quelqu'un de désincarné, pour quelqu'un qui est quand même complètement toujours à côté de... qui n'est qu'une image, c'est quand même mariée 5 fois. C'est pas vrai. Elle n'arrête pas. Non, 5 fois. Dis pas, c'est pas vrai. Mais 5 maris. T'es people maintenant, pas du tout. T'es people maintenant. Ça, c'est très bien. T'es mariée 5 fois. Elle a raison, Anouk Aimée. Vous êtes people, vous, maintenant? Je suis très people. Mais jamais, Tu t'es pas mariée 5 fois. Je suis mystérieuse, donc on ne sait pas. Est-ce que tu t'es mariée 5 fois ou pas? Jamais. Mais je te jure que non. Nico Papatakis, c'est un mari. Pierre Barou, c'est pas un mari. Oui. L'anglais, Albert Finet, c'est pas un mari. Stop. Chouraki, c'est pas un mari. Un amant. Et tu travailles pas là. Tiens, j'avais pas remarqué qu'il était là, maintenant je sais. Lui, il est très people aussi. Hein. Non. Justement, Stevie. J'ai rencontré. Oui, une fois, et j'étais surpris par sa délicatesse, sa gentillesse. On était dans un dîner de... Et vous avez parlé de la calasse, chez Thierry Ardisson. Et des fois, c'est vrai qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et Anouk, tout de suite, se tournait vers moi pour me dire, mais est-ce que tu... Il l'appelle Anouk, déjà. Est-ce que tu as compris et tout? Et elle m'expliquait quand je ne comprenais pas. Elle m'expliquait. Ouais. Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai de la tendresse pour cette femme. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une femme que j'aime bien. Pour lui, ça a été une vraie découverte, parce que quand on lui disait Anouk, avant, il pensait que c'était le chien de 30 millions d'années. Non. Jean-Bernard. Quand j'ai appris qu'Anouk Aimée venait aujourd'hui à l'émission, je me suis retrouvé comme un petit enfant timide. Parce que je me suis souvenu, excusez-moi, ce n'est pas élégant de vous le dire, mais en fait, c'est très gentil ce que je vous dis. J'espère que vous avez redoublé. Je me souviens de mes premiers émois en voyant les affiches justement de Lola où vous étiez en guêpière bas. Et c'était quelque chose qui m'avait terriblement ému. Moi, je voulais vous poser deux questions, enfin une question avec deux réponses. Qu'est-ce que ça vous a amené de très positif d'être ce personnage un petit peu sculpturalisé, c'est-à-dire iconisé, et puis qu'est-ce que ça vous a amené de bien et qu'est-ce que ça vous a amené de pas bien? Mais attendez, c'est agréable que les gens vous aiment et vous fassent des compliments. C'est comme certaines femmes qui sont belles et on leur dit « c'est fatigant d'être beau, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors qu'est-ce que ça a eu de désagréable? Ça n'a rien. Ça va au-delà. Hein. Ça va au-delà. Quand vous dites sur un plateau, s'il y a un technicien qui ne m'aime pas, je le sens et je vais tout faire pour le convaincre. Et puis si ça ne marche pas, c'est qu'il a un problème. Je suis très optimiste. Donc il y a vraiment un besoin quand je travaille, j'ai besoin d'être entourée de gens qui n'ont pas des mauvaises ondes. C'est vrai, j'ai besoin d'être aimée. Isabelle, allons-y, vous y ajouter quelque chose. Je voulais juste dire que ça fait un point commun entre Anouk Aimée et Pierre Bénichoux, qui a aussi très besoin d'être aimé. Être comparé à Anouk Aimée, je sais que j'ai un bon physique.
question traditionnelle, mais tant pis, allons-y. Est-ce que vous êtes longtemps dans votre loge avant la représentation? Oui, avant, parce qu'on discute avec Philippe, Frédéric Franck, on discute dans la loge, une heure avant. Et vous avez de quoi écouter de la musique? Je peux m'arranger. Hier, j'ai écouté, mais c'est pas, certainement pas du tout pareil, le disque de Patrick Bruel. Adieu, ce que je trouve merveilleux. Nouvel album de Patrick Bruel, dont on parlera évidemment ici. Là, j'ai trois disques à vous proposer. Il faudra faire un choix. D'accord. Vous pourrez partir avec un seul des trois. On est comme ça ici. mais avant, je vous propose d'écouter les critiques de Jean-Bernard Hébé. Puis après, vous pourrez ainsi mieux faire votre choix. Jean-Bernard, on commence justement par Serge Gainsbourg. Monsieur Gainsbourg, Revisited. C'est-à-dire que ce sont différents groupes anglo-saxons pour la plupart ou américains qui reprennent des succès de Gainsbourg. L'album est absolument formidable, mais, car il y a évidemment un mais, c'est vrai que l'original est toujours mieux que la réinterprétation. Mais c'est un album essentiel et ça donnera surtout envie à ceux qui n'ont pas connu Gainsbourg de son vivant ou du temps de sa splendeur de réécouter les originaux avec un son qui est plus contemporain. Regardons un extrait de cet album, vous m'en reparlez après. La chanson, c'est Comme un boomerang, chanson reprise par Dani, évidemment, Feist et Gonzalez. The bang of beating in my broken heart. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang, even if you pull us apart. Bon. Là, de ce qu'on a entendu, on peut pas vraiment juger. Isabelle, vous avez écouté. Je n'aime pas qu'on me revisite mon Gainsbourg. Je le préfère en version originale, comme d'ailleurs la plupart des grands chanteurs français, je les préfère en VO. Annie. Moi, j'adore, j'aime qu'il se l'approprie, qu'il la réinterprète, bien sûr, c'est génial. Il vous a pas fait chanter, Serge Gainsbourg? Non, il m'a pas demandé même. Je vous le dis tout de suite. Michel Berger m'avait demandé. Et vous ne l'avez pas fait? Non, j'ai refusé, j'ai eu tort. Ah oui. On passe à ce disque, c'est Najwa Belizel. Voilà, alors c'est pas produit par des gens très importants. Elle a fait un clip qui est d'un luxe outrancier. Les paroles sont d'une débilité appauvrissante. Évidemment, la chanson s'appelle Gabriel. Voilà, et alors on ne sait pas si c'est un homme, une femme, machin. Enfin, c'est une espèce de salade niçoise de toutes les idées qui sont répandues actuellement. Et vous allez voir dans le clip, c'est la même chose. La musique, mais ça me fait penser à une autre chanteuse qui a sorti ça, Lady. Lady, là, tu sais, avec son sèche-cheveux, elle était comme ça. Oh mon Dieu, les références. On passe au dernier album, nouvel album de Prince, Jean-Bernard. La première fois que je l'ai écouté, c'était hier soir, il était 10h du soir, j'ai dit, oh, c'est pas terrible. À minuit et demi, je trouvais ça déjà beaucoup mieux. Et ce matin, à 7h15, je trouvais ça formidable. Le clip est superbe, il a beaucoup d'humour. Je pense que dans 15 jours, je trouverai que c'est l'album de l'année. C'est l'heure du choix. Ah, c'est celui-là que je veux. Vous voulez Prince? Ouais. Bah voilà. Mesdames et messieurs, pour la première fois, en exclusivité mondiale, Anouk Aimée dans le Kikavuki, Kikavuki. Première photo, regardez bien, de quoi s'agit-il? Ah, des scientifiques en... Non, quand tu fais ça, Londres, je sais que c'est mort, je ne fais pas ça. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est des gens qui font des simulations d'épidémie de grippe aviaire? Non, ils font parfois des simulations, mais pas d'épidémie de grippe aviaire. Oh, c'est des prostituées au bois de Boulogne. Non. Est-ce que c'est à Paris? C'est à Paris et plus qu'à Paris, c'est vraiment à Paris. Ah, c'est au pied de la Tour Eiffel? Non. À Saint-Germain? Des prés? Genre... Oh. Non? Bah vous êtes pas très loin là, oui. C'est des gens qui testent les formations. Non, c'est les on a dit Paris, on a dit Saint-Germain. C'est chez Pierre, PSG, dans la rue. C'est l'année qui... Enfin, c'est en rapport avec le PSG. Ah, c'est les mecs qui n'ont pas eu le droit d'aller au match et qui... Ah, les interdits de match. Non, c'est tout simplement quoi, c'est... Les supporters du PSG. Pas les supporters Les techniciens, enfin les médecins. Les joueurs du PSG, bonne réponse d'Isabelle Alonso, qui partent à l'entraînement.
La photo, c'est vrai, la photo paraît assez étonnante, mais ce sont les joueurs du PSG qui partent en camionnette du vestiaire jusqu'au terrain d'entraînement. Ils ont plus de subventions. Franchement, ça fait un peu minable, mais c'est une excellente réponse d'Isabelle Alonso. Un point pour Isabelle. Photo suivante. Il manque quelqu'un sur cette photo. Oui. Qui? Un enfant? Non. Une femme. Sharon Stone? Non. Amélie Mauresmo? Oh, on est loin de Sharon Stone. Amélie Mauresmo? Non. Le grand, là. Oui. Il pourrait vous aider en vous disant qu'il a des très grands pieds. La natation. Ah, c'est parce que tu arrives manque le fils de Yannick Noir. C'est la natation, le oui. mec qui a beaucoup de... Yann Thorpe. Alors, Yann Thorpe, voilà. Donc, il manque la reine d'Angleterre. Il manque la reine d'Angleterre. Excellente déduction. Ah, oh, mais je crois que c'était derrière elle, moi. De Maureen Dore. Bravo. Alors là... Non, alors là... Il a des grands pieds, donc il manque la reine d'Angleterre. Moi, il y a des moments, j'arrive pas à suivre. Hein. Non. Moi, je alors, dis que, il y a qui pouvait trouver ça. Non, je dis qu'il y a de la combine, moi, dans cette histoire. Photo suivante. Ah, là, peut-être que... Tout le monde sait que c'est Georges Clooney. Peut-être qu'Anouk Aimée va pouvoir trouver... alors, pourquoi cette photo de Georges Clooney? Qu'est-ce qu'elle évoque? Pourquoi elle est dans l'actualité? Parce que c'est sans doute chez lui, sur le lac de Côme, que se sont mariés... Non, ils ne sont pas mariés. Brad Pitt et Angelina Jolie. Non, non. Parce qu'il a eu un prix. Parce que... Il a eu un prix. Oui. Mais je ne sais plus le nom, c'est un nom anglais. C'est pour une marque de café, il a fait une pub. Il a fait une pub pour une marque de café. Excellente réponse de Stevie. Vous saluerez Monsieur Philippe Noiret pour nous ce soir au Théâtre de la Madeleine. Bonne prolongation pour cette pièce qui est un gros succès, Love Letters. Merci beaucoup. Merci. À demain.